Merci, chers abonnés, chers téléspectateurs, de renouveler votre fidélité à Panafrique Média dans le cadre de votre rétro hebdo, revue de l'actualité de la semaine. Mais avant de commencer, voici les titres. La Jeune Chambre internationale des jeunes actifs a organisé ce week-end à Libreville un atelier de renforcement des capacités axé sur le management, l'administration et l'organisation en vue d'optimiser les capacités des jeunes à saisir les nouvelles opportunités. Et dans le deuxième arrondissement de la capitale, l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances pour sa réalisation des passerelles dénommées passerelles de la transition et désormais dans le deuxième arrondissement entre le quartier Tongabay et Cocotier où il réalise sa quatrième passerelle. Ce week-end, l'audit infrastructure était à l'étape coulage mais aussi aux travaux de forage. Plus d'une cinquantaine de jeunes ce week-end à pied d'œuvre sur les côtes gabonaises. Objectif, assainir et préserver l'environnement. Une démarche de l'ONG Marche Pro et de Big Green. Je vous laisse découvrir le reportage sous les images de nos reporters. Opération plage propre ce dimanche 21 avril sur les côtes de la capitale gabonaise. La lutte contre l'insalubrité et la préservation de l'environnement sont désormais au cœur des actions de l'ONG Marche Pro et Big Green. C'est près d'une soixantaine de jeunes volontaires qui participent aujourd'hui avec le souci d'impacter leur environnement à travers cette action, mais aussi la population. Les jeunes, ce sont eux vraiment les vrais acteurs. C'est grâce à eux que nous réussissons ces opérations. C'est eux qui répondent, ils sont très conscients des enjeux, des défis du climat. Donc, grand bravo à eux. L'opération va se poursuivre. Ce matin, nous sommes à 80 sacs. Donc, ici, sur la plage du Vatican, nous avons 50 sacs, des sacs de 130 litres. Donc, ça peut avoisiner plus d'une tonne de déchets, confondus, dont les plastiques de type 1 et de la polystyrène, un peu des canettes mélangées. Et de l'autre côté, notre deuxième site qui est à la sortie de Calicat, nous avons une trentaine de sacs parce que nous sommes scindés en deux groupes. Donc le groupe a une trentaine de sacs là-bas. Donc ça fait en tout 80 sacs aujourd'hui qui ont été ramassés environ par 57 participants. Des volontaires, oui, mais la sensibilisation est encore mieux. Le projet, il est là parce qu'il faut protéger premièrement la plage. Ça, c'est notre premier objectif. Pourquoi la plage? Parce que c'est un endroit où vivent les produits halieutiques. Et le plastique, c'est un déchet qui fait 400 ans pour se décomposer. Il n'est pas comme le plastique. Donc, il faudrait forcément protéger déjà cet endroit qu'on appelle la plage, mais aussi sensibiliser les populations à l'intérieur de la ville parce que ce sont les populations qui sont les premières personnes à, on va dire, polluer la nature. Parce déjà, la cause derrière ça est super bien, c'est la protection de l'environnement. Et je me dis, ce sont des causes vraiment qui doivent interpeller pas mal de personnes. Préservation de notre environnement, de notre écosystème. Je ne sais pas si vous remarquez, mais actuellement, là, on parle un peu de réchauffement climatique, etc. On se dit que c'est à cause de tout ça aussi. Sur la plage, face au quartier Louis et Batterie 4, 80 sacs de 30 litres remplis de déchets plastiques, tueuses, silencieuses de l'écosystème. Une initiative qui a déjà touché les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, chef de l'État, par un coup de chance, nous avons eu l'appui du premier éco-citoyen qui est le président, son excellence, le président Biscoter Nguema, qui était en jogging, qui nous a trouvé ici il y a un mois et demi, le 25 février, et il nous a beaucoup encouragés, il nous a même donné encore plus de motivation en nous appuyant lui-même financièrement pour qu'on puisse avoir tout ce programme-là de suite et qui va continuer malgré qu'il est en train d'aller pratiquement vers sa fin. Une action citoyenne louable au moment où les questions de la préservation de l'environnement sont au cœur des discussions au niveau international. Au Gabon, les autorités en charge de ces questions peinent à suivre. L'hôtel de ville de Libreville, qui n'a pas trouvé utile de mettre sa main à la pâte en apportant son soutien financier, matériel et même humain à ses organismes et autres sur le terrain,
Une action inscrite pourtant dans ses missions régaliennes après la collecte des taxes commerciales et l'entretien des infrastructures publiques. De bonnes actions aujourd'hui, mais qui ne sauraient être suffisantes. En absence de mesures répressives, de sanctions et de suivi et même d'accompagnement, ces belles actions pourraient très vite se heurter à moult difficultés. Réalisation de la quatrième passerelle de la transition par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances. Cette fois, c'est le deuxième arrondissement de la commune de Libreville qui bénéficie d'une infrastructure dans les quartiers Atongabé-Cocotier. L'ouvrage est à mi-parcours. Nos reporters ont pu faire le constat sur le terrain ce week-end. Le compte rendu avec Frédéric Ebiefuna et Lorraine Biyengue. C'est ce samedi 20 avril 2024 que la quatrième passerelle de la transition qui relie Cocotier à Tongabé est passée à la phase de coulage de béton. Le président de l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances a montré le bon exemple. Aujourd'hui, nous sommes au 13e jour, on coule le béton. Après ce coulage, c'est la livraison des grands travaux. Le coulage va prendre 1 à 2 heures de temps, ou 3 heures, ça va dépendre. Ouais. Prions seulement qu'il n'y a pas de pluie. L'épaisseur est de 15 cm d'épaisseur. Donc c'est une dimension normale. Nous avons mis la nappe, donc nous avons mis l'engrine. Ensuite, nous avons tout positionné, les poteaux, les pieux. Nous avons mis la rampe, c'est les poteaux de rampe là. C'est tout ce qu'on avait à faire. Sur le site, les techniciens et les ouvriers sont à l'œuvre et engagés. Brouettes, pelles, truelles. Le béton est ainsi mélangé et transporté. À côté, ce sont aussi les travaux du forage qui ont démarré malgré l'accès difficile pour acheminer la machine. Le problème d'eau potable que rencontrent les populations d'Atongabé depuis Belle Lurette sera bientôt qu'une histoire du passé. C'est un forage difficile. Vous-même, vous voyez un peu l'environnement. C'est assez complexe. Il faut de la technicité. Cette machine, elle est petite, oui, parce que c'est la seule machine qui pouvait avoir, qui pouvait nous permettre de venir forer ici. Il faut dire que nous cherchons à atteindre la nappe, donc on va devoir traverser des couches rocheuses assez difficiles. Mais je peux déjà d'ores et déjà rassurer les populations qu'ils auront une eau de très bonne qualité. Mais je peux, par notre expertise, dire qu'en termes de quantité, en termes de qualité d'eau, il n'y aura aucun souci. Ces populations seront soulagées. Soutenu et mandaté par le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligingema et le CTRI, l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances exécute avec fierté et honorabilité des orientations dictées par les plus hautes autorités de la transition qui ont pour cheval de bataille restaurer la dignité des Gabonais. Saisir des nouvelles opportunités et s'impliquer dans la vie locale autrement que par la politique, c'est l'objectif de la Jeune Chambre internationale qui a donné un atelier de formation ce week-end à Libreville pour renforcer les capacités des jeunes actifs. Le compte rendu dans ce reportage sous les images de Frédéric Ebi et Vouna. Avec plus de 200 000 jeunes actifs dans le monde et présents dans plus de 112 pays, la Jeune Chambre internationale a ce samedi 20 avril 2024 donné une formation à près d'une vingtaine de jeunes Gabonais à Libreville. La vision étant bien sûr d'offrir des objectifs de développement aux jeunes, stimulant leur capacité à saisir des opportunités. Il était important d'organiser cette formation qui a le thème GCI Achieve, parce qu'il y a plein de mes sympathisantes qui ne savaient pas qui ne maîtrisent pas bien l'organisation, comment l'organisation fonctionne et les opportunités. Non pas seulement les membres de GCI ou les sympathisants, aussi la public, comment les organisations, les associations fonctionnent. Donc il était question d'organiser cette formation pour que les sympathisants de GCI et aussi d'autres personnes responsables et d'autres associations assistent à cette formation. La formation était très intéressante. Nous avons parlé de management, d'opportunités d'affaires, et d'administration. Moi, je ne connaissais pas la Jeune Chambre internationale, j'en avais entendu parler, et j'ai découvert ce que c'est exactement. Et je me suis rendu compte que ce qui se passe dans la Jeune Chambre internationale, en principe, ce sont des choses que l'on peut transposer dans la vie. La Jeune Chambre internationale a pour but
de donner aux jeunes des opportunités de développement. Ma première fois de participer à cette formation et tout ce qui a été évoqué est vraiment enrichissant. Axé sur le plan individuel et communautaire, le principal réseau d'assistance des jeunes entrepreneurs s'est appesanti sur le management, l'administration et les opportunités. C'est beaucoup plus la saisir des opportunités parce qu'à la jeune chambre, l'objectif est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes. Mais on s'est beaucoup plus appesanti sur le terme opportunité et comment saisir cette opportunité-là. Parce que beaucoup croient qu'en venant à la jeune chambre, l'opportunité, c'est quelque chose qu'on vient vous donner. Non, l'opportunité, c'est apprendre, c'est pouvoir se former. Et la jeune chambre, c'est une des plus grandes écoles de formation au monde. D'accord ? Et donc, nous avons formé ce matin en disant aux participants qu'on ne peut apprendre qu'en faisant. Nous sommes des citoyens actifs et donc, en tant que citoyens, nous devons apprendre, donc prendre part aux activités, mener des projets et ces projets qui vont faire en sorte que nous puissions nous développer personnellement. Et donc, la formation était beaucoup plus axée sur le plan individuel et sur le plan communautaire également parce que lorsque le membre est formé, il peut impacter positivement sa communauté. À l'heure où le dialogue national se tient au Gabon et où les questions de l'emploi des jeunes et l'amélioration des conditions de vie sont débattues, la Jeune Chambre internationale propose l'auto-emploi des jeunes pour baisser considérablement le taux de chômage qui avoisine désormais les 40% et le changement des paradigmes chez les jeunes en s'impliquant dans la vie locale autrement que par la politique. Et à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme, l'association Barietou Bidigobe a bien voulu mettre en valeur la langue Isangu à travers des manifestations culturelles. C'était à l'école supérieure EM Gabon. Le compte rendu avec Lorraine Biyenge. Dans l'optique de mieux valoriser les langues maternelles, précisément le Masango, et à l'occasion de la Journée nationale de la femme gabonaise, l'association Barietou Bidigobe, ce qui signifie en français « femme de valeur », a organisé ce mercredi 17 avril un spectacle culturel à l'école supérieure EM Gabon. Une conférence qui s'est axée autour de trois thèmes. L'organisation structurelle du peuple Masango. Le deuxième thème, c'était la place de la femme au Sangou dans la valorisation et l'apprentissage de la langue. Et le troisième thème, c'est un peu l'historique du peuple Sangou, des villages, des foyers originels à aujourd'hui, où nous avons une forte communauté implantée dans les grandes villes comme Libreville, Un an après la création de leur mouvement, les efforts de l'association Barietou Bidigobe semblent porter des fruits au regard de la maîtrise des langues par les plus jeunes. Depuis trois générations, l'application de nos us et coutumes ne sont plus respectées dans nos différents ménages. Mais chez les Masango, ce n'est pas le cas. Tant le monde évolue, mais la société reste organisée. Et la société Masango l'est. Et l'organisation autour du peuple Masango obéit à certains principes, dont certains interdits pour essayer de réguler la vie en société. D'où je parlais des interdits sexuels par exemple. Composé d'une cinquantaine d'ethnies issues de diverses régions, le Gabon est un pays riche par la multitude de langues vernaculaires qui y sont parlées. Le français, la langue officielle, est parlé par plus de 80% de la population. On parle également religion dans cette Rétro Hebdo. La mission protestante Baraka a abrité durant 72 heures l'assemblée de concertation sur le bon fonctionnement de l'Assemblée des fidèles de l'Église évangélique du Gabon. La couverture médiatique a été faite par nos reporters Frédéric Ebi et Vuna qui nous fait le compte rendu. Acte de clôture de l'Assemblée générale de concertation de l'Assemblée des fidèles de l'Église évangélique du Gabon en abrégé ADFEG. Pour ce dimanche 21 avril 2024, la procession, liturgie, lecture du procès verbal sanctionnant les travaux de la dite assemblée. Remise de l'exposé des motifs, puis place à la prédication.
Le révérend pasteur Louis-Sylvain Allogo-Ango, président de la dite institution, s'est appuyé sur l'Ancien Testament dans le livre de Deux Rois, au chapitre 6, versets 1 et 2. Rappeler aux enfants du Christ de la maison de EEG de travailler afin d'élargir la tente du Seigneur, car elle est trop étroite. Il nous fait savoir que du haut des cieux, en regardant la maison EEG, eh bien, la conclusion est vite faite. Notre tente est trop étroite. Notre maison est trop étroite. L'EEG est trop étroite aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous avons pour thème ce dimanche « Élargissons notre tente ». Élargissons notre tente. Posons-nous la question, en quoi consiste, bien mes frères, l'élargissement de la tente EEG? Élargir notre tente ce jour, c'est justement briser nos barrières ethno-linguistiques et régionalistes. Il nous faut les briser. Il nous faut voir plus loin, élargir notre tente. C'est s'accepter mutuellement en dépit de nos différences. En effet, c'est Dieu qui nous a créés. Il veut que chacun ait son nom. Et à l'image de nos noms, nous sommes tous différents. Après 48 heures de travaux, la coordinatrice nationale de la DEFEG s'est dit satisfaite de la mobilisation, reste surtout en attente des propositions faites auprès de l'institution qui, eux, vont les transmettre lors de la tenue du synode. En tant que chrétiens de l'Église évangélique du Gabon, nous gardons espoir. Nous sortons de l'Assemblée en espérant qu'au mois de juillet, au prochain synode, le mouvement sera reconnu. L'enfant de Dieu ne désespère pas. Il faut toujours garder la foi. Une fois l'œuvre reconnue, une fois on abandonne l'existence de fait pour être dans les droits, avoir l'existence de droit, nous pensons que nous allons apporter quelque chose de plus. Vous allez voir la plus-value de la DEFEG au sein de l'Église évangélique du Gabon. Pour le moment, nous avons un couloir que l'Église évangélique a proposé. Le développement économique et social de l'Église évangélique du Gabon. Le moment venu, nous allons vous faire connaître de quoi est capable la DEFEG. Le président de l'Église évangélique du Gabon a rappelé au mouvement d'avoir un esprit de créativité et non du copier-coller de l'Union chrétienne des femmes de l'Église évangélique du Gabon lors de leurs prestations pour le bon fonctionnement de l'institution. Dans l'ensemble, l'Assemblée générale de concertation de l'ADFEG a été une réussite. Et le monde politique gabonais qui est en deuil et a enregistré ce week-end deux décès. D'abord, le vendredi, avec le décès de Richard Moulomba, opposant gabonais, président de l'ARENA et député de la transition. Le samedi 20 avril, on enregistrait le décès d'Antoine Mbumbu Miyaku, ancien ministre de l'Intérieur du pouvoir, feu Omar Bongo Ondimba et ses dernières fonctions avec la présidence du Conseil économique et social avec le pouvoir déchu d'Ali Bongo Ondimba. Écoutons au micro de nos reporters un homme politique, acteur de la société civile et ancien candidat aux élections présidentielles, Emmanuel Mvemba. Le Gabon vient de perdre des grands commis de l'État. Richard Moulomba, un cadre de haut vol et un garçon compétent, tant sur le plan administratif que politique. Vraiment, le Gabon vient de perdre un valeureux fils. Pour ce qui est de M. Antoine Mbumbu Miyaku, qui a été d'ailleurs mon président au Conseil économique et social, parce que j'ai fait deux mandats avec Antoine Mbumbu Miyaku. Et c'est ceux qui n'ont pas connu cet homme
l'ont jugé autrement. Mais c'était quelqu'un d'assez logique dans sa démarche et dans son raisonnement. Et nous n'avons plus beaucoup de, j'ai envie de dire, de dignitaires comme cela au Gabon. Le Gabon vient de perdre un dignitaire important. C'est vrai que ce qui a souvent été véhiculé, c'est que quand quelqu'un part, c'est là où on fait des éloges. Non, moi je ne suis pas dans la langue de bois, moi je ne porte pas les gants quand il faut dire quelque chose. Je dis, le Gabon vient de perdre ses deux valeureux enfants. Je pense même, et je voudrais proposer au chef de l'État d'observer un deuil national, un ou deux jours pour ses valeureux fils. Et ce ne sera que justice rendue. Et j'adresse toutes mes condoléances aux familles éprouvées. Voilà qui vient mettre un terme à cette rétro-hebdo, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La Jeune Chambre internationale des jeunes actifs a organisé ce week-end à Libreville un atelier de renforcement des capacités axé sur le management, l'administration et l'organisation en vue d'optimiser les capacités des jeunes à saisir les nouvelles opportunités. Et dans le deuxième arrondissement de la capitale, l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances pour sa réalisation des passerelles dénommées passerelles de la transition et désormais dans le deuxième arrondissement entre le quartier Tongabay et Cocotier où il réalise sa quatrième passerelle. Ce week-end, l'audit infrastructure était à l'étape coulage mais aussi aux travaux de fourrage. Merci d'avoir renouvelé votre fidélité à Panafrique Média. On remercie la technique avec Frédéric Ebiévouna et Lorraine Biyengue. Et surtout, n'oubliez pas, restez connectés. L'information continue sur Panafrique Média.